Bonjour à tous, je suis le capitaine Victor et je vais détailler pour vous aujourd'hui l'équipement des pilotes de l'équipe de Voltige. La combinaison de vol, c'est la combinaison verte qui est commune à tous les pilotes de l'armée de l'air et de l'espace. Et vous nous verrez en bleu sur les meetings en été parce que c'est la couleur qui va nous distinguer aux équipes de présentation de l'armée de l'air. Le parachute, c'est un équipement de protection qui nous permettra d'évacuer l'avion en vol. Nous n'avons pas de siège éjectable dans l'Extra 330. Les chaussures, en Voltige, on veut avoir de bonnes sensations sur les palonniers. On va utiliser des baskets adaptées, type sport automobile. Le casque, c'est un équipement de protection également. Il est aux couleurs de l'EVA et équipé d'un système de radiocommunication. Les gants, un équipement de protection. Ils seront donc ignifugés pour nous protéger contre le feu et nous permettront d'avoir un bon grip, notamment en été quand il fait chaud. Petit bonus à l'EVA, nous disposons d'un t-shirt et de chaussettes aux couleurs de l'équipe. Pour répondre à une question que nous avons souvent en meeting, non, nous n'avons pas de pantalon anti-G à l'EVA. Les accélérations que nous subissons sont brèves, bien qu'importantes, et le pantalon n'aurait pas le temps de se gonfler et de faire son effet. Merci d'avoir suivi cette minute extra numéro 3 consacrée aux équipements de l'équipe de Voltige de l'armée de l'air. Je vous retrouve très vite sur les meetings et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.